1 est supérieur à 4 et 1 est supérieur ou égal à 0. A est supérieur à 4. Et 1 supérieur ou égal à 0. Où est-ce que mon stylo ou mon feutre est passé deux fois? Il est passé ici sur cet intervalle. Alors attention, on a donc ici 1 qui appartient à quel intervalle? À l'intervalle 4, et j'exclus 4 plus l'infini. Ici, sur ma droite graduée, j'exclus 4. Et la partie de l'intervalle considérée, c'est bien sûr celle-ci. A est inférieur ou égal à 2,5. Je suis sur cette partie. Et A est supérieur à moins 1,2. Mon stylo est passé deux fois ici, entre moins 1,2 et 2,5. Attention, A est strictement supérieur à moins 1,2. J'exclus donc moins 1,2. A est inférieur ou égal à 2,5. Je suis donc ici sur cet intervalle. On a donc A qui appartient à moins 1,2, 2,5. A est supérieur à 4 ou A est inférieur ou égal à moins 1. A est supérieur à 4, je suis ici, dans cette partie de la droite. A inférieur ou égal à moins 1, je suis ici. À cet endroit, je prends la valeur moins 1. Ici, je la repousse. Donc ici, il s'agit de regarder partout où mon stylo est passé. Il est passé sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Union, 4 plus l'infini. A appartient à moins l'infini, moins 1. Union, 4, plus l'infini. Ici, A est inférieur ou égal à moins 3, et je prends la valeur moins 3, où A est supérieur à 2. Et on repousse ici la valeur 2. On a donc A qui appartient à moins l'infini, moins 3, et je prends moins 3, union 2 plus l'infini.